Eh bien, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je me sens inspirée par un magazine et qui me donne l'impulse de créer en direct live un webzine, on pourrait dire, peut-être, je ne sais pas comment, c'est quoi le nom, qui s'appellerait ce que j'ai remarqué dans les magazines sérieux qui se vendent dans les librairies, qui finissent par logis, pense que j'ai un petit cheveu là, eh ben, c'est que, alors là déjà, le thème de leur magazine, c'est surmonter les séparations. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Attention. Ils nous proposent un test, page 86. Comment vous séparez-vous? Et moi, je te propose pas du tout ce test-là. Par contre, si tu veux te le procurer, sache que c'est dans le numéro 391 de psychologie. Et donc, moi, je te propose le test, c'est es-tu un kiki? Et c'est que en trois questions. Enfin, je crois, parce que je ne sais pas exactement en fait ce qui va sortir. Si tu réponds oui à une de ces questions, ben c'est que t'es un kiki. Alors, oui, tu peux respirer. Sache que c'est à la fois pour de vrai. Et pour de rire. C'est ça le kiki en fait. Le kiki, c'est toujours pour de vrai et pour de rire. La seule qualité requise pour ce test, c'est vraiment, mais comme pour tous les tests, hein, c'est l'honnêteté. Donc, la première question. La première question, c'est est-ce que au moins une fois par jour, tu râles, tu bougonnes, tu rumines? Oui, je dis tu. Après, tu peux transcrire, tu veux dire est-ce qu'au moins une fois par jour, il y a bougonnerie ou il y a rumination ou tatati tatata. Ça, c'est la première question. Deuxième question. En fait, c'est un peu pareil que la première, mais on va un petit peu plus en profondeur, au cas où tu essaierais de, oh, tu vois, de squeezer l'affaire. La deuxième question, c'est est-ce que au moins une fois, allez, on va dire par semaine, tu te dis, putain, fais chier, merde, je me casserai bien de ce rêve de... Voilà. Et la dernière question. Je ne sais pas c'est quoi. Ah ouais, ça y est, ça y est, ça y est. La dernière question, c'est est-ce qu'au moins une fois dans ta vie, tu voudrais que les choses soient autrement que ce qu'elles sont? Et fais pas genre,
suis libérée, je suis éveillée, patati patata. Sois honnête. Eh ben, si tu as répondu oui à une de ces questions, ou si tu as le moindre petit doute à l'intérieur, ben c'est que t'as un kick. Et si tu as répondu non à toutes les questions, c'est que t'es un gros menteur ou une grosse menteuse. Voilà. C'est tout. C'est pas grave, Kiki. On t'aime quand même. On s'aime, nous.